Bonsoir, le flash de ce mardi. L'appel de la compagnie VJ Construction de l'arrêt de la Cour suprême rendu par le juge Ellen Karolus en juin 2020 sera rejugé par la Cour d'appel. C'est une décision prise à la majorité par la Cour d'appel. Cette demande a été entendue par le juge Fiona Robinson, Samia André et Gustave Dodin. Deux des juges, en l'occurrence, les juges Robinson et André, ont agréé la requête d'appel de la compagnie VJ Construction dénonçant des irrégularités significatives et fondamentales dans les procédures d'après lesquelles l'appel a été auditionné. Lesquelles irrégularités ont donc affecté la décision des juges dans ce cas particulier? Ils disent avoir pris la décision de rejuger le cas afin de réparer l'injustice faite. Le procès avait été conduit par les juges Anthony Fernando, le président de la Cour d'appel, Mathilda Toumi et Ogile Kidingake. Ils avaient rendu leur décision le 2 octobre 2020. Le gouvernement a confirmé son intention de ne pas du tout abolir la plateforme de gestion des visiteurs Travisory. Le ministre chargé des Transports, Anthony Derjac, a fait cette déclaration à l'Assemblée ce matin. Le ministre Derjac répondait aux questions du dirigeant de l'opposition, Sébastien Pillet, voulant savoir si le gouvernement allait revoir le contrat de liant à Travisory et même aller jusqu'à la résiliation pure et simple du dit contrat en raison des nombreuses plaintes du public. Le ministre Derjac expliquait qu'il existe deux points à traiter, à savoir le tarif que le Seychellois retournant au pays doit payer, ensuite les numéros d'identification du Seychellois non détenteur d'un passeport Seychellois. Il a ajouté cependant que ce système a été introduit compte tenu de la pandémie du COVID-19 en vue d'aider à une réouverture plus sécurisée des frontières aériennes tout en prodiguant aux visiteurs des expériences de voyage inoubliables. L'Assemblée nationale a commémoré la journée de la francophonie. C'est là par un message du speaker suivi par des représentants des deux partis sièges de cette institution. Il s'agit du député Philippe Monti du parti LDS et Egbert Aglaé du parti US. À l'occasion de la journée de la francophonie célébrée le 20 mars dernier, le président de l'Assemblée, Roger Mancienne, a réaffirmer son engagement à préserver et promouvoir le français comme la troisième langue nationale. Le thème de cette année, qui est « La francophonie de l'avenir », met l'accent sur le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Je voudrais exprimer le souhait que la fête de la francophonie reste une célébration importante, inscrite dans notre calendrier d'activités annuelles, en témoignage de notre histoire et du partenariat ferme que notre Parlement et notre pays maintient avec la France, notamment dans les domaines du développement durable, de la coopération régionale et la coopération parlementaire, des relations qui contribuent au développement de notre pays. Donc, bonne fête de la francophonie à tous. Nous partageons cette vision commune de la francophonie à placer les cultures et la langue comme fondement à tout effort pour un développement durable. La langue française étant l'une des trois langues nationales, elle appartient à tous citoyens séchelloises et offre à chacun de multiples choix pour s'exprimer, participer d'une façon libre et juste. Et en conséquence, cela nous permettra de préserver, transmettre et valoriser ce patrimoine pour finalement arriver à consolider la fondation d'un développement harmonieux et inclusif, et ceci par l'éducation, le développement de l'économie et l'innovation. Même si le français parmi les langues officielles du pays, elle n'est malheureusement pas la favorite. Les Seychellois comprennent facilement la langue, mais éprouvent des grandes difficultés à l'écrit et aussi bien qu'à l'oral.
ce qui fait qu'ils hésitent à parler la langue de Molière par la peur de commettre des erreurs. Avec un programme très chargé qui a été officiellement lancé ce samedi, le samedi 19 mars, au cours d'une cérémonie officielle à la digue, je dois dire que notre Assemblée nationale est bel et bien représentée, notamment en tant que membre du jury pour le concours d'éloquence organisé par le département des langues à l'Université des Seychelles le jeudi 17 et vendredi 18 mars et à la cérémonie de remise de prix de ce même concours. Avec ces quelques mots, Monsieur le Président, il me reste à vous souhaiter et à mes chers collègues députés et au peuple seychellois une très bonne fête de la francophonie. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention.